Bienvenue sur Titan, Padawan. Tout le monde a hâte de te rencontrer au temple. Tes anciens maîtres louent tes aptitudes au combat. Ils disent que tu es une experte en duel. C'est plus facile d'exceller lorsque l'on est entraîné par les meilleurs. Le Conseil Jedi va nommer un nouveau maître pour t'encadrer dans tes dernières épreuves. Tu devras passer des tests dont tu n'aurais jamais eu idée. Mais lorsque tu quitteras Titan, tu sauras ce que signifie être un chevalier Jedi. Et surtout, tu te connaîtras toi-même. Je suis faite pour être Jedi. Qu'est-ce que les maîtres peuvent me dire d'autre ? Beaucoup de Padawan pensent la même chose avant d'affronter les épreuves. C'est pour cette raison que se détacher des idées préconçues fait partie du code Jedi. Il n'y a pas d'ignorance, il n'y a que la connaissance. Libère ton esprit avant de commencer la formation. Tu seras surprise. Un speeder va t'emmener... Une seconde. Je reçois un signal d'urgence. Les déchiqueteurs armés de blasters? Il doit se tromper. Que sont ces choses? Des animaux? Les déchiqueteurs sont une espèce de natif hostile. Ils sont assez intelligents pour utiliser des outils et terriblement violents. J'envoie tous les Jedi capables de s'en charger au terrain d'entraînement sur le champ. Et toi en particulier. Ce que j'ai de plus que les autres. Tu as été formé pour de telles situations. Je sais que je peux compter sur toi. Rends-toi au terrain d'entraînement avec le speeder. Repousse les déchiqueteurs. Et regarde s'ils utilisent vraiment des armes avancées. Va. Dès que j'aurai prévenu le Conseil Jedi, je te rejoindrai. Que la Force soit avec toi. Tu n'as rien. Bien. Un déchiqueteur m'a tiré dans la jambe pendant que je sauvais un Padawan. J'ignore où ces choses ont obtenu des blasters, mais elles savent s'en servir. J'ai été évacué dans un centre médical, mais la bataille n'est pas terminée. Cet endroit grouille de monstres. Un autre Padawan a trouvé un tunnel que les déchiqueteurs utilisent pour accéder à la vallée. J'ai besoin de toi au tunnel. Veille à ce que les déchiqueteurs ne reçoivent plus de renforts. Que voulez-vous que je fasse seul? Tu ne le seras pas longtemps. Maître Orgus Dean est également en route. Nous devons mettre fin à ce conflit avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Trouve le tunnel le long de la montagne. Que la Force soit avec toi. Arrête de lutter, Padawan. Tu as signé ton arrêt de mort en entrant ici. Parce qu'il faut remettre de l'ordre. Et que tu es faible. Qui que vous soyez, laissez ce Padawan tranquille. Tu es... dangereuse. Tu as tué mes soldats. Il n'attaque pas, il purge. Et ce n'est que le début. Ça semble marrant. Je dois signer quelque part? Ce n'est pas comme ça que vous sauverez votre peau. L'ancien ordre est mort. Vive le nouvel ordre! Tout va bien? Que s'est-il passé? La Force soit louée, vous êtes tous les deux en vie. Cet homme n'est pas un Jedi. En tout cas, pas l'un des nôtres. S'il n'était pas des nôtres, qui était-il? J'aurais dit un Sith. Mais l'Empire ne sait pas où se trouve Titan. Ce sabre laser... Ça me dit quelque chose. Étrange. Tu as repoussé tous ces assaillants avec un simple sabre d'entraînement. Impressionnant. La Force était avec moi, comme toujours. Ne confonds pas confiance et arrogance, Padawan. Tes maîtres auraient dû t'apprendre la différence entre les deux. Ce combat est terminé, mais il ne faut pas que d'autres déchiqueteurs reviennent. Voilà.
Voilà qui devrait les retenir, pour l'instant. Vous auriez dû le laisser ouvert. On aurait pu l'utiliser pour éliminer les déchiqueteurs. Déclarer la guerre est bien la dernière chose à faire. Nous n'en savons pas assez sur notre ennemi. Pas encore. Je vais t'emmener dans un centre médical. Tu sembles pouvoir voyager seul. Va faire ton rapport au Conseil Jedi. Cette vallée n'est pas encore sécurisée. Je préfère rester. Nous avons des chevaliers Jedi qui repoussent les derniers assaillants. On a besoin de toi autre part. Suis le chemin menant à l'extérieur de cette vallée. Tu trouveras le temple Jedi près de la montagne. À plus tard.